Bonjour mon frère. Wadobil Mayombo, tu es un homme politique au Yambo Cannabis et République du Congo, pour que tu le cadre de l'IDPS ou le tour de la mention de ce côté la politique au Yambo Cannabis et y compris les choses qui sont en train de passer dans la partie présidentielle. Dans le moment où on a encore Wadobil, il y a une bonne santé politique au Yambo Cannabis du Congo. Non, la santé politique à la République démocratique du Congo, ils ont été mal, ils ont été bien, ils ont été en train. Ça qui toque mon amour qui toque par rapport au sucre moi la polémique sur les cas ah ouais beaucoup de constats des constatations ici sur les cas et aussi des régularités les kiming c'est ça vous entendez parler que ça t'est politique ça qui toque mon amour Kabil. Est-ce que vous avez des preuves des irrégularités? Ce qui conteste ce sont les gens qui n'ont pas compris le processus électoral et qui n'ont pas compris la démocratie. Dans cette démocratie nous étions à combien comme candidat, donc pour avoir 5 sièges. Ce n'est pas tout le monde qui allait gagner, donc on avait besoin seulement de 500 personnes. D'ailleurs, 477 personnes. C'est ça les gens qu'on avait besoin, puisqu'il y a là où on a annulé les élections, et là où les gens n'ont pas présenté, n'ont pas organisé les élections. Donc à ce moment-là, on voulait que tout le monde puisse passer. C'était pratiquement impossible. Pour moi, Kadima, c'est un véritable expert des élections. Puisque là, moi, j'étais parti, moi, j'étais aussi candidat. Je trouve bien que les gens qui ont gagné, ils méritaient bien de gagner. Quand vous dites que Kadima est expert en matière électorale, vous faites les gens quoi? Parce que ce que moi, la polémique, c'est que ça, deux jours, 72 heures, trois jours. Non, ça, les gens étaient obligés, étaient habitués à se comporter comme des gangs, en train de bourrer des urnes, en train de faire le forcing dans des bureaux de vote. Il y avait des gens qui distribuaient l'argent, ainsi de suite. Mais Kadima a essayé au moins de corriger les gens qui ont des cas avérés. Il les a corrigés en disant qu'en 2028, les gens seront un peu disciplinés et sérieux pour laisser les électeurs d'aller voter calmement. Tout ce que moi je déplore, c'est la date fixée pour des élections, qui n'est pas une bonne date. En décembre, une période pluvieuse, en tout cas je vous dis que ce n'était pas facile pour battre la campagne. Tous les jours il pleuvait, donc ça n'a pas permis aux candidats de battre bien campagne. La plupart des gens qui sont allés dans des territoires sont rentrés ici malades, à cause de cette pluie-là et des conséquences qu'on ne pouvait pas imaginer. Merci beaucoup, Mme Bokabo. C'est aussi construit sur ça. Là. Mais Nangambo y a présenté au-dessus comme on a jusqu'à maintenant. Moïse Katoumbi, toujours, il a toujours aussi eu la victoire en 2023. Ou Matafala, en 2018, lui, il a eu la victoire en 2023. Oui, je suis en train de me dire. Écart, il est qui m'a cassé. Écart, ce qui est 5-10%. On peut comprendre tout ça. Et est-ce que lui-même a bâti campagne dans l'entièreté de la République démocratique du Congo? J'ai dit non. Comment il doit dire que non, il a gagné? Il a gagné à Kashobo. Et dans le Grand Katanga, oui. Là, c'est normal, il a gagné. Mais dans d'autres provinces. Et puis l'arsenal politique, lancé par Antoine Félix Tshisekedi sur le terrain. Non. Non, non, non. C'est un arsenal que tu ne peux pas gagner. Tu t'imagines que là où nous sommes allés, on n'a pas vu la photo d'une autre personne qui était Fatshi. Et tout candidat battait campagne pour Fatshi et pour lui-même. Donc, c'est tout à fait logique qu'il puisse avoir un résultat jamais réalisé en République démocratique du Congo depuis que le processus a commencé. Au premier tour, il bat déjà avec 73%. Donc, c'est-à-dire, même si on avait prévu le deuxième tour, ça ne pouvait pas avoir lieu. Mais Mme Boka, quand vous dites que Ekari Zamaka, c'est encore la tricherie, la machine à faute, de continuer et pas à député, Monsieur Mme Boka. C'est ça, vous entendez parler les mais, cas. Mais jusque-là, ma député, on a besoin de machine à voter, wapi. C'est la question que nous devons nous poser. Et puis, une seule machine à voter, ils ont la capacité à voter combien de fois? C'est ça le problème. Et puis. Mais contribuer quand on fait ce qui est d'Azoki, Mme Boka. Papa, à Tassoukou Bazoui, il y a un invalidé Balongoli Ango. Je ne sais pas comment on peut bien être. Tu sais que dans l'élection, il y a direct.
Mon tout ce qu'on a 25%. Mon tout ce qu'on a 20. Mon tout ce qu'on a 18. Mon tout ce qu'on a 19. Mon tout ce qu'on a 15. Donc, au lieu de 25, il passe. C'est la logique. Ils doivent comprendre que c'est ça la logique. Quand on parle de tricher aux dénominations, ce sont des gens qui n'ont pas la culture de s'incliner facilement, qui trouvaient qu'on va les renommer et que l'Union sacrée était là pour se partager des postes de la députation. Non. Mais des gens de mauvaise langue, même de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui parlent au Kabouya, Kabouya, Kabouya. On va arriver là, mon amour, Bill Mayombo. C'est pas possible. Mais mon amour, quand vous dites que vous avez une machine, mon amour, plutôt, on a dit, mon amour, vous finissez quand vous avez Charles Moutamoutou, à ce que vous avez dit, mon amour, vous avez dit, mon amour, vous avez dit, mon amour, vous avez dit, que non, ils allaient qui étaient. Ils ont monté sur les réseaux sociaux. Vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, Dengo yebelingana ugisten kabuya ngana zo machine te wana no bagano politika ngwe komikindoki apese bantu mususu apese bil mayombote son proche collaborateur o bantu yoso bayebiki no nazara kana kabuya atumoma ngaya apese nga machine a votete apese bantu mususu c'est tout à fait regrettable quand les gens parlent de ce genre de choses donc c'est regrettable donc Kadima a bien organisé les élections et les méritants ont été proclamés vainqueurs. Je peux te donner quelques exemples. Je commence par moi-même. Kabuya distribue les postes, il laisse son entourage, quelqu'un comme moi, quelqu'un comme Baruti, Maman Pongo, Deo Bizibu et les autres ne se trouvent pas sur la liste. Les directeurs de cabinet du chef de l'État ne se trouvent pas sur la liste. Les directeurs de campagne, c'est lui qui représente l'UDPS, donc à la CENI. Donc, Maître Chabani, donc Jacqueline Chabani, ne sort pas. Et puis, vous criez, oh, on a triché. Bah, des femmes comme Roselyne Mbombo, elle n'est pas passée. Donc, c'est quoi la personne comme Nyakero? Le petit frère de la première dame, hein, de la première dame, il n'est pas passé. Maintenant, il a distribué à qui? Non, ils doivent avoir des manières de s'incliner quand les choses n'ont pas marché. C'est la première expérience. Quand nous parlons, par exemple, d'Augustin Kabouya qu'on parle là, ce n'est pas la première fois qu'il s'est présenté comme candidat député national. Hein? Quand il s'était incliné, est-ce que tu as entendu des bruits? Il n'y avait pas de bruit. Il n'avait pas de bruit, il n'a pas fait de bruit. Mais quand le moment est arrivé qu'il puisse être appelé honorable, c'est maintenant honorable Augustin Kabouya Chingoma, AK-47. Donc, le véritable combattant et le véritable secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pourquoi je dis ça? Je dis ça puisque le premier mandat, c'est toujours avec les Augustin Kabouya ici que nous avons obtenu le premier mandat. Le deuxième mandat, L'UDPS en tête. Jean-Marc Abound aussi, hein. Donc, le problème, quand on parle avec les gens, donc c'est-à-dire, il n'était pas seul. Mais maintenant, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Mais comme il est au sommet, c'est lui le numéro un du parti présidentiel. Tout le monde crie toujours sur Kabuya, Kabuya, Kabuya. Mais nous tous, nous avons contribué à la réussite du président sur son mandat. Puisque tous nos voix, donc nos voix là, compter pour que les champions puissent avoir 73%. Donc, que les gens puissent avoir des apaisements et savoir que non, être bien voté, ce n'est pas quand on te vote dans une circonscription telle que limitée, on te vote majoritairement, donc à Mombele, on te vote, et que Mwamba est vaste. Toi, tu crois déjà que non, on a déjà voté. C'est comme les gens qui rêvent au Katanga là-bas. Oh, je te vote Moïse Katumbi, tu votes Moïse Katumbi. C'est les Katanga, seulement les Katanga n'est pas les Congo. C'est comme aussi limité, n'est pas Mwamba. Donc, c'est ça le problème. Et ici, j'adresse quand même un message à mon frère Jacob Eya, d'avoir de se calmer. De se calmer, puisque cette agitation-là, tu vois, ça donne l'ouverture à d'autres personnes à commencer à déclarer, même s'ils savent que non, ils se sont inclinés d'une façon démocratique.
ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup. Même chez vous, à l'UDPS, il y a des Jacobéens qui sont en train de contester les élections où il y a des députés. Nanga mon père, ce qu'on va y partenaire à Union Sacrée, parce qu'il existe juste un mot beaucoup qui m'boka. Qu'est-ce que ça veut dire? MLC, il y a la lobby qui est Kabuya. Il y a d'autres partis. Non, Nanga Zoye Bisayo. Donc, je suis en train de l'envier. Je pouvais être même être aussi Augustin Kabuya. Puisque Ndeko. Ma banga babo kaka na zete ya kotela. Ngai na zoe bisuke na za kolaborate na ye Augustin Kabuya na aja me pri contact avec qui que ce soit pour qu'on améliore le quota de l'UDPS. Il n'a pas pris cette démarche-là. Il ne s'est jamais présenté, il n'a jamais appelé Kadima qu'ils aillent dans des... Ils peuvent aller voir Vodacom, RTL, tout ça. Demander s'il y a eu un appel dans ce sens vers Ndeko Kadima. Non. Donc, c'est tout simplement les gens de mauvaise langue, les gens qui veulent que, autre toi, que je me mette, croyant que l'IDP, c'est facile à diriger. Non, ce n'est pas facile, puisque l'IDP, c'est comme un scorpion à plusieurs têtes. Vouloir se saisir, il faut être bien outillé. Sinon, vous ne ferez même pas 6 mois. Merci beaucoup, Mme Boukame. Côté bah, partenaire, il y a Union Sacrée. Bah, l'IDPS a imposé majorité par la primature. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Non, non. Quand l'IDPS circulait dans les pays, toi, tu sais, j'étais toujours à côté d'Augustin Kabuya, ou soit j'ai fait l'équipe d'avance. Kisangani, Kananga, Mbujimayi, Meneditu, Ngandanjika, Lubumbashi, Bakongo, Bandundu, ainsi de suite. Quand il faisait ce travail-là, il ne voyait pas. Il y avait des gens qui ne croyaient même pas aux élections. C'était déjà la pré-campagne quand on dit que nous sommes en train de redynamiser les partis. C'est une façon de s'organiser. Mais si l'IDP ce n'était pas désorganisé en dernière minute, on devrait avoir plus que ça. Puisque nous ne méritons pas ces résultats-là à cause du désordre qu'on a créé en dernière minute. Quel est le désordre? On nous a conseillé de créer 3 mosaïques, plus celui de PES, ça fait 4, mais les gens sont contentés de créer 7 mosaïques. En créant 7 mosaïques, le voix était éparpillé, émietté. Émietté, donc l'autre, il est dans les mosaïques, il dit non, je suis de l'IDPS, il bat campagne au nom de l'IDPS, ainsi de suite. Ça fait que nous avons dispersé nos voix. Donc, comme nous avons eu les résultats que nous avons eu, je dis Dieu merci. Félicitations à Augustin Kabuya, le numéro 1 de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Félicitations à tous ceux qui ont gagné aux élections. Et ceux qui n'ont pas gagné, ce n'est pas la fin du monde. Il y a aussi 2028 comme qui même. Nous attend. Oui, comme moi-même, il y a 2028 qui nous attend. Et je félicite même les gens de chez moi avec qui nous étions en compétition. Et maintenant, c'est fini la compétition. Ça devient un problème de défendre notre coin. Je serai toujours disposé donc de les accompagner. Là où ils trouvent qu'ils sont limités, s'ils contactent Bill Mayombo avec des relations qu'il a, je peux toujours les aider à frapper telle ou telle autre porte pour que notre coin puisse bénéficier du programme du gouvernement. Merci beaucoup pour ça, Bill Mayombo. Message d'encouragement. Naba yé au basi koleka. Pe courage aussi na yombo wana boka Bill Mayombo. Oui, merci. Tobe tamayé soukouta la ville de Kinshasa ou wiki kenye makatu soukse émission de la ville de Kinshasa ou de soukouma wana boka jatzingo bilaza s'expandi par ministre et intérieur wana boka Peter Kazadi. Mais nanga boko na ministre gouverneur Azo Benk Saba Réunion, n'a pas eu beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Je pense que la ville de Kinshasa a été dirigée par un voyou. Quand je dis ça, c'est-à-dire un comportement qui est allé à l'ordinaire. Donc, le gouverneur de la ville de Kinshasa, et c'était quelqu'un du FCC, voté par les membres du FCC. Mais un grand corrupteur, un grand détourneur. Ça vous appelle, quoi vous appelle, vous adresse à qui? Non, au gouverneur de la ville. Moi, tu veux que je cite les noms, non. Donc, au gouverneur de la ville. Le gouverneur sortant,
Le gouverneur sortant, il n'y a qu'un seul gouverneur. Quand je parle du vice-gouverneur, c'est autre chose. Ici, je parle du gouverneur. Un gang à la tête de la ville de Kinshasa. Je pense que ces aventures-là doivent s'arrêter. Puisque la ville de Kinshasa ne lui appartient pas. Quand il promet que puisqu'il a recruté des Kuluna pour mettre Kinshasa dans l'insécurité. Mais la force de donc nous avons des forces de l'ordre qui vont anéantir ces gens-là. Il va se trouver en prison comme mon ami Jean-Marc Kabound. Parce que tu sais, le président reste toujours président. Quand le président turc était venu ici, le président l'accompagnait à l'aéroport. Donc, il causait, il parlait de la vie de Kinshasa. Quand on a parlé d'une société turque, quand ils sont arrivés à l'aéroport, ils disent non, la personne qui maîtrise bien la société, c'est elle. C'est un Gobila. Si tu veux que je le cite. Gobila a cité la société. L'autre a dit non, je vais m'impliquer pour que ça évite. Est-ce que ça a été fait? Puisque Ngobila, en lui donnant l'argent, il a tout bouffé. C'est quelqu'un qui a des intentions démesurées. C'est quelqu'un qui prétendait être président de la République. C'est quelqu'un qui combattait même l'exécutif de l'UDPS. Donc cet homme-là doit mettre de l'eau dans son vin, s'incliner, sinon il va se trouver en prison. Président, Azalana Muningana était, Azaba collaborateur. Pour l'intérêt de la nation, il risque gros. Merci beaucoup, mon abouka Bilma, mon amateur de ce qu'on a adressé. Samedi, il a dit son billet sur Kabisanga, mon abouka Friskedi, Azo Katasele, Kanaï, des papas juge, mais je n'ai pas eu lancé le baïmbo, comme votre portement, mon antipode, mon coula samedi. Na Gosenga, la Congolais, toutes tendances confondues, la direction Stade des Martyrs. En dehors des services de sécurité, Bissonios, ba Congolais, tous la sécurité à Yambo, y a champion de Bisson. Donc il ne va investir hier, cette fois-ci, il fera plus mieux que ce qu'il a réalisé, puisque avec seulement la machine de l'Union sacrée, nous allons au-delà de 400 députés. Je pense qu'il a toute la machine pour bien diriger et pour voter des lois. C'est tout ça, mais qui nous soutenir, mon amour, qui est qui nous accompagne, c'est le canaille, mon amour. Oui, et puis, Kuna, samedi, on a souvent la place dans le stade d'Ango. Il a évité ce week-end de 5h. Vous avez un mot de l'autre, mais vous avez un mot de l'autre. Ah, papa. Donc, mot de l'autre. Ceux qui ont, par exemple. Vous avez un mot de l'autre. Non, ceux qui ont, par exemple, mot de l'autre. Ah, non. Moi, je n'ai pas besoin de mot de l'autre. Moi, je parle pas l'amour. J'irai moi-même parler mon amour propre à Fatshi et à la République démocratique du Congo. Je serai là. Merci beaucoup, Namboka. Mais je suis venu à lancer le bateau partenaire mon entier. Je suis Oyo, vous retenir ni nous quoi aller dans Namboka. Non, on ne peut pas retenir que tout pouvoir vient de Dieu. Tonyo kwami mingi na bitumba depuis 1997. Tilelo et banda ko yeba origine te ba bazo wanga na ba bazo caresser pour vivre ba fanta kana pouvoir. Mais cette fois-ci, nous avons eu un deuxième Lumumba. Un deuxième Laurent Désiré Kabila. Qui veut à tout prix défendre sa patrie, qui est la République démocratique du Congo, à la personne de Fatshi. C'est un envoyé spécial, il a sa mission, donnez-nous la chance de terminer sa mission. Il deviendra aussi ex-président et il y aura un autre président qui va prendre le pouvoir et la vie va continuer. Je pense, de mauvaises langues, il y avait mis des critiques envers notre champion. Même reconnaissent que non, on n'attendait pas ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. Donc, les gens ont dit qu'il n'a pas étudié, il n'a pas d'expérience, et ainsi de suite. Mais l'homme, j'ai toujours dit, l'homme est né naturellement bête ou intelligent. On ne va pas à l'école pour acquérir l'intelligence, mais pour mettre en évidence les capacités innées. Si on est né voyou, on reste toujours voyou, même trois cycles de doctorat. J'essaie un peu de modifier. C'est une citation de Tshisekedi Wamulumba. C'est ça. L'intelligence est innée.
C'est la raison pour laquelle les Australopithecus, les Pithecanthropes, tout ça, leur capacité crânienne, ce n'était pas par rapport à l'intelligence de l'école. Et je me pose même la question, le premier professeur d'université a étudié dans quelle université, puisqu'il est le premier. Voilà, là vous pouvez tirer la conclusion que l'intelligence, c'est quelque chose inné. On ne va pas acquérir ceci, cela. Même les gens qui fétichent, si tu dis que non, je te donne un fétiche pour que tu deviennes intelligent, méfie-toi de lui. C'était mentir. Pourquoi lui-même et ses enfants ne sont pas intelligents? Il veut te donner que toi l'intelligence. Voilà. Tous les Congolais qui m'ont suivi, je demande l'apaisement aux candidats malheureux, ne vous achetez pas. Donc soyez calme, puisque pour devenir premier ministre ou avoir des places dans le gouvernement, ce n'est pas nécessairement avoir beaucoup de députés, mais c'est une des conditions pour le pouvoir émanant de là. Mais il a son pouvoir discrétionnaire de nommer aussi qui il veut pour redresser la République démocratique du Congo. Merci. C'est votre humble serviteur, Bill Mayombo. Mon numéro, vous le connaissez déjà. 081 515 25 68. Les autres, plus 243 99 73 60 111. Donc je reprends, plus 243 81 515 25 68, quand il s'agit des gens qui sont à l'étranger. Je vous aime tous. J'aime la République démocratique du Congo. J'aime Fatih Béton. J'aime aussi Augustin Kabouya. Chilumba Mwanabute. Qu'on ne donne pas la chance. Même s'il gagne, on dit toujours que non, il n'a rien fait. Voilà. Le tour viendra aussi. Les autres vont prendre la commande. Nous allons toujours les juger. Même ceux qui ont bâti campagne pour dire que non, nos précédents...